Salut à tous, ici Benji pour une nouvelle vidéo sur la chaîne VicBen. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur un prêt de contrôle. En lieu. Alors, petite dédicace à Victor, parce que déjà lui c'est un des seuls joueurs au monde à jouer prêtre. Il l'a bientôt foil, attention. Et du coup, ça m'a donné aussi un peu envie de me faire une petite liste prête. Alors, j'ai craqué, je me suis craft la Confucius, Confuseur d'argent en paletresse. Parce que voilà, je pouvais me craft une légendaire, je savais pas quoi craft, et c'est vrai que je joue jamais prêtre. Voilà. Donc, il y a aussi le conservateur du musée. Nouvelle carte de l'extension. Et qui en soi, moi je le trouvais super nul et en fait est vraiment fort. Voilà, donc en fait, ça c'est une liste que je viens de faire assez basée sur le contrôle quand même. Enfin, ça s'appelle contrôle en lieu. Et voilà, donc j'ai pas mis tout ce qui est lumière, soins rapides, tout ça parce qu'en fait j'ai envie de garder assez de pression possible. Il faut savoir qu'en fait, avec ça et ça, on peut vraiment avoir des créatures qui montent assez vite. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, contre un War Control, par exemple, si on l'a en fin de game, on est assez content parce que s'il a passé tous ses contrôles, tous ses ordres de tuer, tous ses exécutes, et ben elle va gonfler chaque tour. On va se heal, elle va gonfler. Et pareil avec la lumière des Narus. Donc voilà, donc l'autre, ça fait. Ah merde, j'ai laissé Facebook. Ça fait une. Gonfle, voilà. Donc l'idée du deck, c'est assez de contrôle. En fait, c'est un mix entre le mid et le contrôle. Voilà. Donc on a les deux arts de soins, deux lumières des Narus, deux mots pouvoir bouclier, deux clairs du comté du nord, deux conservateurs du musée, un réducteur fou parce que malheureusement il n'y avait pas la place pour en mettre deux, deux choix de Vélène. Moi j'adore cette carte, vraiment je trouve que c'est une carte très très forte. En fait, quand on a des créas on board, en fait on a tellement de gestion derrière. En fait, on peut se permettre de booster nos créas pour en avoir des plus grosses. En fait, ça évite de poser des nouvelles. Comme on n'a pas beaucoup de créatures, voilà, c'est vraiment le choix de Vélène. Je trouvais très fort, surtout notamment avec ce genre de petites cartes, avec de petites créatures, l'éclair, les trucs comme ça. Bon, bah, deux mots pouvoir, mots de l'ombre mort, un vol d'esprit, pas deux. Toujours dans l'optique hybride entre mid et contrôle, parce que deux c'est trop. Et 1, c'est quand même fat contre certains match-up, donc ça vaut le coup d'en avoir un, je pense. Un sombre sectateur, parce que justement, toujours dans l'idée en fait d'avoir quelque chose d'hybride, on va dire, entre voilà, entre du contrôle et un peu de créa. Donc c'est un ratio super intéressant en termes de stats en tour 3, et voilà, ça peut comboter avec d'autres choses, donc par exemple booster pourquoi pas d'autres créas en vie. Et sinon, c'est un T3 assez solide, donc voilà, je voulais en mettre une. Deux championnes sacrées qui justement est là pour un bon body, enfin 3-5 c'est relativement correct, et surtout pour avoir de la pression en fait. C'est une carte qui permet de mettre vraiment de la pression, je trouve que c'est une carte super forte, on la voit pas beaucoup, mais dans ce deck elle rentre bien, donc voilà, je trouve vraiment très intéressant, notamment avec les choix de Vélène, elle peut vraiment gonfler, et souvent en fait la réponse à la championne sacrée c'est le crash vase. Parce qu'en fait, on va mettre ça, et la personne derrière va mettre un crash base. Et on trouve aucun T4 qui peut monter à 5 d'attaque. C'est-à-dire qu'au tour 6, on a juste à se heal, poser autre chose. Dans l'idéal, par exemple, un sombre ségateur. Et ça permet de trade un crash base. Donc c'est vachement intéressant. Et en fait, c'est soit on peut arriver à trade dans ce cas-là, ou soit, voilà, simplement, bah, c'est une 3-5, et puis elle se fait trade. Voilà, mais c'est une carte très très forte, moi j'aime beaucoup. Deux prêtresses au Kenai, bah en combo avec les cercles de soins, avec la lumière des Narus, pareil, quand elle est on board, ça permet de trade un tour 5 avec l'aéroport au tour d'après, etc., etc. Très très sympa. Une seule Nova Sacrée, parce qu'on joue deux bombes de lumière, on joue pas les pyros, donc en fait j'ai mis la Nova Sacrée, comme je joue un petit peu d'Orly, avec les conservateurs du musée, Into Shot Velen, voilà. Ça fait quand même le café, c'est quand même une bonne carte, je pense que 2 c'était trop, je préférais mettre une bombe de lumière, toujours dans l'optique quand même de gérer du contrôle. La méta elle est assez contrôle mid, un peu aggro, des fois il y a vraiment de l'aggro, je pense que contre un face on galère un petit peu, on n'a pas les pyros, tout ça, mais voilà, bon bah c'est à voir, hein. Toujours on peut changer, remettre une Nova Sacrée, par exemple si on rencontre plein de petites bêtes. Mais la bombe de lumière est pas mal, surtout qu'on n'a aucune créa en fait, où l'attaque, hormis celle-là, où l'attaque est plus forte que ses PV. Donc hormis bah, Sylvanas, mais bon c'est des légendaires.
deux ensevelir. Pareil, je voulais la test et je trouve ça très très fort, surtout contre contrôle en fait. Surtout contre Warrior Control en fait. Warrior Control, maintenant on a un réel avantage, c'est-à-dire qu'on peut quasiment tout gérer, notamment avec les deux bombes de lumière, faut pas hésiter à le placer sur un boom, les deux mots de pouvoir mort et les deux ensevelir quoi. C'est tellement fort, surtout quand on arrive jusqu'à la fatigue. Franchement, c'est une très très bonne carte. Je m'y attendais pas, j'étais un peu sceptique. Comme la fosse, ouais. mais ouais, c'est quand même deux bonnes cartes, mine de rien. L'extension, j'ai trouvé nulle, mais c'est vrai qu'elle a porté au prêtre. Donc voilà. Bon, bah, ensuite, deux prêtresses de la cabale, hein, carte très très forte. Surtout avec un petit réducteur. Une Sylvanas, parce qu'il faut du late et ça contrôle le board aussi. Donc voilà. Et notre carte de late, 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 qui fait le café une fois que tout est passé, tout est stabilisé. La confesseur d'argent, Paltrès. Donc en fait, le but, c'est vraiment de stabiliser. Et ça, faut la jouer au dernier moment. C'est notre win condition. Et c'est une réelle win condition. C'est-à-dire que bah, dans l'optique encore d'un guerrier contrôle, il faut pas la placer après les bastons. Enfin, avant les bastons. Et après tout ça. On peut la placer si on sait par exemple qu'il a joué une baston et qu'il n'en joue pas deux. Ou qu'il a déjà passé les deux. Mais globalement, quand même une autre carte, faut éviter de la placer trop tôt. Voilà, donc c'est une carte assez forte. Après, dans les autres match-up, bien sûr, on la placera allègrement, surtout par exemple contre un druide ou contre ce genre de choses. Voilà, on va aller tester ça tout de suite en live. Donc là, je suis pas très très bien classé, j'ai pas beaucoup joué avec Noël, tout ça. Mais j'étais encore plus mal classé, et là, je viens de faire quelques games, et j'ai eu 100% de victoire avec ce deck. Donc voilà, je vous le conseille. Je pense que c'est un deck qui va bloquer un petit peu rang 5, parce que prêtre, monter en prêtre rang 5, c'est assez long. Monter avec contrôle, c'est toujours trop long. Et voilà. Contre le Mage. grand Le grand Medivh. Ah. commence. Ça c'est pas mal, j'ai L'illustre toujours portera tendance à victoire. vouloir garder la championne sacrée, étant donné que c'est une de nos seules créatures, on va dire, un peu early. Celle-là je vais la jouer, mais je vais peut-être pas la jouer T1. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Rien, un sombre sécateur, mais j'en ai qu'un. Je pense que je vais la garder, histoire d'avoir un T4. Voilà, on n'a pas beaucoup de créatures early, et on n'a pas beaucoup de gestion non plus early, on n'a pas de Croxzombax, on n'a pas de tout ça. Donc là, ici, je pense que je vais quand même la placer. Qu'est-ce qui pourrait me punir? Ça l'empêcherait juste de jouer une Wyrm. Quelqu'un est blessé. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Donc j'ai décidé de la garder, je pense que c'est peut-être un mauvais choix. Voilà, donc là, ça nous permet de piocher. C'est pas mal. Et de setup la Nova Sacrée, en plus, bon, c'est vraiment dans longtemps, hein, mais. Donc là, tour d'après, bien sûr, il va nous faire un petit éclair d'ogive into face avec sa Wyrm. Bien sûr, hein, comme tous les mages font, hein. Pièce, éclair d'ogive, encore pire. Donc là, gros gros sortie. Hein. Ça, là, on n'est pas très bien. Dans ce cas-là, on n'aurait pas dû garder la championne. Ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui peut nous sauver? Un sécateur. Un sombre sécateur, un crash vase ou un touchlet. Je pense que je vais tenter le crash vase. Est-ce que je vais le booster au tour d'après? Je pense que je vais le booster. Au tour d'après, en fait, là je suis curieux jusqu'au tour 5, 6. Ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien, surtout avec ça. Donc, dommage que j'aurais peut-être dû piocher. Ah non, je pouvais pas piocher avant. Parce que dans ce cas-là, j'aurais pris le sombre sécateur pour faire 3-4 au prochain tour. Ok. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Le problème. Oh, ça c'est vachement chiant. Il va me la piquer. Non, non. Ah, c'est sûrement un contre-sort, on a de la chance. Ça aurait été une identité miroir, on aurait été vénère. Hein. Donc là, je pense qu'il va faire le trade avec sa Wyrm. On a de la chance d'avoir un petit peu de heal. Qui combat très bien avec ça. C'est peut-être un duplicate aussi. Ou alors c'est peut-être la version très très aggro avec un bloc de glace. Ah oui, d'accord. Donc là je vais clairement crash vase ici. Ah, ça c'est pas mal. Surtout s'il met un autre secret. Comme ça, hop, il peut pas la tuer déjà. Sinon ça lui coûte son petit bazar. Et en fait tour d'après je pourrais Nova plus trade avec la gelée. Vous Son le 3-6. voulez. Ah ça c'est vachement chiant ça. Vache. Là c'est une carte, faudrait que je l'essaye parce que vraiment je pense qu'elle est forte et bizarrement elle est très dure à trade. A chaque fois elle est vraiment dure à trade. Et malheureusement je vais devoir trade ça, c'est plutôt chiant.
Ou alors, est-ce que je jouerais pas ici Sylvananas? C'est quand même fort Sylvananas, hein. J'aime beaucoup Sylvananas ici parce que j'ai le petit taunt en fait. Ça lui permet de pas développer trop de board et puis moi je vais gérer sien tout en lui volant une créa, donc en développant le mien, et je vais pouvoir me heal au prochain tour avec pourquoi pas ça, 4, 5, 6, 7, c'est vraiment fort. Ok. 1. Ah oui, ça c'est relativement chiant. Donc là je pourrais. J'ai oublié. Ah, c'est courbe sort. Oh putain, j'ai oublié le contre-sort. Oh le quichon. Oh le quichon, j'ai complètement zappé. Non. Personne ne doit survivre. Ça, c'est pas mal. Donc j'espère qu'il va me heal l'autre connard là-haut là. On n'a pas voulu le pire hein. Mais putain j'ai tellement oublié le contre-sort. Oh putain, à chaque fois il soigne le même ce con là. Donc là je vais faire quoi? 4, 5, 6 et trade là. Ouais. Je vais peut-être prendre lui. Lui, je l'aime bien. Vas-y, je vais grid. Vous voyez combien de doigts? Mais je pense que j'ai plutôt trade lui là. Parce que lui, il me fait peur vraiment. Ah, c'est un duplicate. Oh merde! Ah, fait chier. Ouais, c'est très fort. Donc là, il y a une chance sur deux qu'il me heal, l'autre contre poulet. Mais là, j'ai un beau trade. Allez, heal-moi, heal-moi, heal-moi. Non! Fouettas! Oh, un bon Neptulon. Donc là, je vais pas attaquer en fait parce que je veux pas que lui le soigne. Donc je vais laisser comme ça et lui il va me soigner. Putain, je la sentais mal cette game, mais au final elle se passe plutôt bien. Il a vraiment pas dû jouer cette carte. C'est combien ça? C'est 6. C'est énorme. Je vais le laisser en vie, hein, et puis j'ai commencé à contrôler le board. Hein. Ici j'ai un trade où? J'avais pas de trade. Ah si, avec Nova plus ça, c'est assez chiant. Ah donc c'est le tube bien sûr. Je vais essayer de lui voler un sort, il n'a pas joué encore pour l'instant. Je vais essayer de lui voler un sort. Est-ce que la bombe de lumière fait le café? Absolument pas. Allez! Ah! Pas le meilleur, mais c'est pas dégueu. Bon, bah ça se passe bien! j'explique pas trop les plays encore, mais bon, ça parle un peu tout seul. Par contre, j'ai la meilleure carte du jeu, le meilleur tour 6 du jeu, donc ça devrait aller. Ça va faire mal. Ok, donc il a pas de sort. Ah, si, il a un sort.
En espérant que ça tue pas elle quand même. Là, il y a 4 boules qui vont péter, hein. Vache! Toujours, ça fait toujours ça, c'est horrible. Ensevelir. Les damnés se tiennent. J'ai pas envie qu'il tue en fait, tout simplement. La bombe de lumière, c'est qu'il ne servira pas. Ensevelir qui va partir sur l'Antonidas. Du qui devra arriver. Hein. Vous avez besoin voilà, quand on l'appelle, il arrive. Ça c'est chiant, surtout avec elle, ouais. Là ça commence à faire mal, malheureusement. Ah, il a que ça, ça va. Allez, solde de 6. Merci. Tellement fort ensevelir, c'est vraiment la folie quoi. Ah, il avait encore un secret, fait chier. Je sers le seigneur du feu. Ah ouais, il tue ça. Il a pas d'or, mine de rien. Yes. Putain, elle est meilleure, elle est... c'est trop beau. L'avant-ton vaurien, l'avant-ton rusé et l'avant-ton grognon quoi, énorme. Bon là ils servent à rien mais ils sont énormes quand même. Bon, là, celle-là, la bombe de lumière, elle ne servira plus, hein, autant être franc. Ah, si, elle va servir en fait. Bon, je préfère ensevelir, au moins c'est passé. Je sais plus ce que je lui ensevelis déjà, je sais plus trop. Tu l'as pas, tu l'as pas. Non, yes. Impeccable. Bon bah la bombe vraiment nous servira absolument. Oh la vache. Merde. Ah les deux bombes. Meilleure carte du jeu vraiment. Donc là j'ai juste aller full face hein. J'espère te deck une créa quand même. Ou une cabale serait fat. Hop. Yes, une cabale. Voyons si ça marche. Je vais quand même faire le trait, ça coûte rien ici. Ah, ça fait chier ça. Donc là, je vais tout simplement faire ça. C'est peut-être une copie aussi. Donc si c'est une copie, il vaut mieux pas le faire. Fais chier là. Elle qui gonfle, impeccable. C'est pour ça que j'aime bien cette carte. C'est pas juste du soin, c'est il y a vraiment une petite créa derrière qui gonfle assez, qui met la pression. On va me la tuer ce bâtard, mais allez, me la tue pas. Sérieux. Donc on voit par contre niveau pression, c'est pas énorme. Ça c'est une boule de feu. Hein. Peut-être une pyro, je sais pas.
C'est dommage que j'ai pas gardé l'autre con là. Que le sort là. J'ai pété mes deux sorts avec Antonidas, fais chier quoi. De toute façon, je l'ai eu à la fin des deux pioches, j'aurais pas pu le voir. J'ai complètement sapé que je l'avais enseveli. C'est une pyro ça? Bah non, t'as plus de cartes, gars. Ah ouais, yes, énorme. Donc voilà pourquoi en fait on bloque souvent en 5, c'est que le deck est très lent quand même. C'est vraiment du contrôle, contrôle, contrôle. Donc là, même une pyro le sauve pas, y'a rien qui le sauve. Il peut live, hein. Bah oui. Qu'est-ce qu'on aura top deck? Peut-être le Dr. B enseveli? Non, c'est pas. On saura pas, on saura pas. Voilà, donc une petite partie contre Abage à Tisflamme. Faut savoir que c'est pas le meilleur match-up. On n'a pas vu les cabales, etc. Mais bon, c'est quand même relativement bien sorti. En 10, hein, pourquoi pas. Et en tout cas, depuis que je suis rentré, je n'ai fait que gagner. Contre gauche. La victoire ou la mort. La lumière nous apportera la victoire. Est-ce que je la garde Garrosh? Ah, je sais pas. Garrosh. Très lent. J'ai presque envie de la garder. Chouette Vélène aussi. Allez, je vais la garder. On sait jamais, on sait jamais. Parce que ça, c'est vraiment une carte qu'on a envie de top deck un peu plus tard. Mais, bon. C'est bien de l'avoir aussi, T4. Donc là, match très très contrôle, hein. Il faut prendre son temps, on n'est pas pressé. Gamebreaker, c'est la légendaire là. Je pense qu'on la verra. Je pense qu'on la verra fonctionner. Ok, il fait rien, énorme. De toute façon, là, il va rien se passer pendant 3-4 tours. Ok, énorme. Cabal qui est fort dans le match-up, notamment avec le réducteur fou, on sait jamais si il joue souvent des Ezera. Hein. Donc là, il va me jouer un petit Acolyte. Ah non, une armure. Ok. Énorme. Je peux me permettre. De toute façon, il aura masse armure au bout d'un moment. Bon, c'est pas le meilleur, mais tant pis. Au moins, ce qui ça permettra de faire le trade, même si c'est le tour à des bites. Ah ok. Tourbillon, ah, c'est pas mal. Ça, c'est fort ce qu'il me fait. Le sécateur qui va faire le café. Enfin, le café. Qui va faire une petite tisane. Les damnés se tiennent prêts. Pas mal quand même. Le petit bazar du musée. Là. Donc là, ce que je vais faire. Je vais pièce cabale, comme ça moi j'ai pioché deux cartes. Après, est-ce que ça vaut le coup de piocher des cartes contre un war? Je suis pas certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 moins 2, 7 plus 2, 9. Laissez-moi vous montrer une autre façon. Il peut tout clean, mais c'est moi qui pioche. Je pense que c'est pas une bonne idée de piocher dans ce match-up, mais pourquoi pas. Douleur. D'accord, il veut piocher aussi. Sonner. Pourquoi faire? Ah oui, sonner là-dessus pour pas me faire piocher. Ok, donc il veut pas me faire piocher, très bien. Donc là, je vais tout simplement prêtresse, lumière des Naharu, ping. Là, je peux voir. Donc juste prêtresse, lumière des Naharu. Et je pense que je vais booster ma petite. Un petit sécateur. Pour pouvoir couper les petits arbrisseaux. Il peut pas sous-chef. Donc je pense qu'il a essayé juste de me tuer la 1-4. Il va heurt. Heurt de bouclier là-dessus. Ah, sur l'autre. Ah oui, j'ai eu peur. Elle. Quand même, un peu de respect, monsieur. Donc ça va, bah, ça clean le board.
Ça, c'est ma deuxième, c'est un peu dommage. Est-ce que je ferais pas tout simplement ici un heal? Non. Envie de continuer la pression, j'ai plus de cartes que lui. Après, le problème, c'est que je vais plus avoir de créatures en fait. Je vais avoir beaucoup de contrôle et plus de créa. Et ça, il peut le gérer ce board là, hein, quand même. C'est un guerrier, il peut le gérer. Après, s'il fait une baston, il est obligé de mettre une autre carte. Donc là, la baston n'est pas intéressante. Et une fois qu'il a fait baston, on pète la légendaire. Deuxième heure de bouclier. Deuxième heure de bouclier. Sur des créatures pas ouf. Donc ça, plus sous-chef. Ok. Après, j'ai pas des créatures plus ouf que ça, en fait. Mais ça, je sais pas. Donc il lui reste deux execs, il me semble. J'ai pas très très bien calculé. Je crois qu'il lui reste deux execs, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Après, j'ai vraiment pioché énormément. Neuf cartes en main. Après, là, je peux répondre à tout. Hein. Tu mets une grosse créa, je vais mettre Sylvananas pour trader les deux. Ah non, ça, c'est de la merde. Il lui reste deux exets, donc avec un board comme ça, c'est pas ouf. Donc là, il peut taper plus exec. Je pense que Sylvanas a du sens ici. Après, je peux faire simplement ça plus choix de Vélène, mais c'est un peu nul. Je pense qu'ici, il va péter l'exec. Oh, j'ai tellement de réponses là. Je dois réfléchir. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Je pense que c'est le tour à Sylvanas. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, après ça, il aura pas de board. Et peut-être je peux péter ça. Là, je pense qu'il va taper, il va mettre les deux, il va exec. Ça lui prend 3 cartes quand même, hein. C'est assez sympa. Sonner ? Ah oui, ok. Donc il y a toujours les deux exec. Fait un peu chier. Le problème, c'est que là, niveau pioche, on va être égaux. Moi, j'ai deux ensevelir, donc dans tous les cas, j'aurais bien aimé top deck. Quelqu'un est blessé. Top deck. Top deck une créa. Ah, ça c'est pas mal au prochain tour. Bien joué. 13 à 12, il va en piocher une. Donc là on est égaux sur la pioche, faut plus piocher maintenant. Il faut éviter de piocher. Parce que ce match-up va à la fatigue, clairement. Et faut pas piocher là. Ici il veut tout simplement faire un choix de Vélène pour forcer l'exec. J'aimerais bien vraiment le forcer à exec. Tour d'après, je peux refaire un choix de Vélène dessus. C'est 3 cartes. À Garrosh. Est-ce qu'il va trade ou pas? Il va exec, je pense. Il exec. Il va me mettre 10. Est-ce que je l'ensevelis ou pas, ça? Non, parce que j'ai pas de réponse à l'Extraza tout de suite. La bombe de lumière marche forcément contre guerrier. On est égaux en pioche, faut pas piocher. Là, j'ai vraiment trop de Sardosan et compagnie. Hein. Docteur B, ça va être la bombe. Et les deux autres, ça sera. Allez, Isera, j'aimerais bien la voler avec le réducteur fou. Qui est là. Et peut-être même que l'Alexstrasza, je vais l'ensevelir. Il va me sortir Alexstrasza. Donc il a baston et tout en main. On va sortir une petite légendaire. Que le serpent de Jade vous guide. C'est intéressant. Il a que l'exec pour la gérer. C'est pas la meilleure des légendaires, hein, soyons francs. Il me la laisse. Vache. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quelqu'un est blessé.
Là, j'ai fait ça parce que s'il me fait un sort, après je vais discard en fait. Voilà. Donc là, j'ai le sort. Et maintenant, je peux plus discard. C'est pas la pire, hein. Et là, il va faire ça plus exec. Il a plus d'exec, hein. Ah non, il c'est pas un exec, ok. À 6, j'ai 2 ensevelir. Ah, c'est chiant. Je crois qu'il a plus d'exec. Donc là, je vais ça, ça, et je vais mettre un choix de Vélène parce qu'ici il faut le mettre. Je pense qu'ici il faut pas piocher. Ah, si, il lui reste un exec du coup. Je pense que je peux le cabal parce qu'en fait, l'Isera, je peux l'ensevelir. Il a plus de heurt, hein. Il a qu'une exec. C'est pas mal. Ici ça fait combien? Elle passe à 4, 5, 6. Elle meurt pas, hein. Donc c'est très long, comptoir contrôle, hein. C'est très très long, mais ça, c'est un énorme avantage. En espérant quand même qu'il joue des grosses créas, là, parce que... au bout d'un moment... Mes deux bombes, par contre, vont servir à rien. J'ai une baston, putain, mais j'ai tellement de clean de table. Mes deux cercles de soins, non plus, ne serviront à rien. Il a plus d'armure. Il sera à la fatigue avant moi. Et moi, j'ai un ensevelir, donc je serai forcément à la fatigue un peu avant lui. Un peu deux tours après lui. Donc là, peut-être il a une deuxième baston, faut faire gaffe. Donc là, on est plutôt bien. Le problème, c'est que nous on a plus de créa, donc faut vraiment qu'il en mette en fait, faut qu'il lui en reste, sinon on a perdu. C'est énorme, hein. Ah, on en a encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il nous reste un connard qui nous fait draw des trucs. Deuxième baston. Deuxième baston, après je pose ça, hein. Ça suffit. Ah, Sylvanas, c'est chiant. Ici, je vais tout simplement l'ensevelir. Ce deck est très très fort en Tower Control. Très 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 fort. Voilà, bon, petite vidéo après les fêtes, hein. Bon, un petit peu fatigué tout ça, mais bon, voilà. Un deck très sympa. Donc là, bon, je suis rang 10, c'est pas énorme, surtout on est en fin de saison. Mais voilà, donc comme quoi c'est un deck assez contrôle, donc toujours agréable à jouer, et qui marche. Voilà, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, tchussi.